réussi à l'atteindre. Hey, non! Plus de gestes! OK. Il n'y a pas de réunion mercredi? C'est jour férié. C'est la fête à Michel. Ah, ben oui, c'est la fête à Michel. Donc, elle est toute cognée à sa porte mercredi. Ben, laissez des fleurs devant sa porte. Laissez des toutous. Ou un mur de poche, tout dépendant. Oui, des flamants roses. Comme ça, il faudrait qu'il ramasse ça pendant une semaine. Puis, OK, Carole veut dire quelque chose. S'il y en a qui ont les annonces, après ça, venez, après ça, on va embarquer. Les enfants peuvent monter pendant ce temps-là, je ne sais pas si c'est fait. Bonjour, moi je suis la sœur de Manon, la belle-sœur de Michel, depuis 38 ans. Puis, moi, je voulais dire à Michel que je l'ai vu évoluer dans la famille, je l'ai vu évoluer dans sa foi, je l'ai eu connaissance avec quelqu'un qui est allé à l'école biblique. Je suis même allée à l'école biblique une journée avec Manon. Et puis, vous savez, quand David, dans le psaume, quelqu'un de Dieu, il a dit que David avait le cœur selon Dieu. Ben moi, je vois Michel comme ça. Et le cœur selon le cœur de Dieu, comme David avait. Puis je voulais dire que je suis fière de l'avoir comme beau-frère. Même si des fois on se taquine, mais c'est pas grave. Puis je voulais te bénir, Michel. Ça, c'est perdu d'avance. Mais je ne sais pas si Carly, tu n'es plus rien?
Il a enduré la mort sur la croix.
Parce que Jésus ne voyait pas juste ce qui allait se passer aujourd'hui en fin de journée. Parce que pour lui, ce qu'il comptait, c'est pas juste une perspective. Tu cœur de moi? Non, c'est lui. Il faut que je donne ce point-là. Puis quand il faisait puis c'est clair, il devait avoir une vingtaine d'années, sinon, puis, mettons une vingtaine. Il ne devait pas être mature. T'sais? Puis j'ai pogné avec ce gang-là, il dit, écoute-moi, là, l'esprit me dit, il faut que je prenne 12 personnes, ça va changer le reste du monde. Mais après un mois et demi, parce que les gars, ils chicanaient tout le temps, avec celui qui va appeler le premier au bout de la file, ou celui qui va manger le plus, hey, l'autre, il a pris deux verres de salle, puis moi, j'en ai juste eu un. Puis souvent, tu devais chicaner souvent, ou tu sais, souvent, on voit ça même qu'en ado, c'est comme il devait faire une ride de cheval, puis il y en a qui devaient rouler trop vite, puis hey, tu dépasses la limite de vitesse. Puis Jésus devait être couragé à des bouts. Mais il ne s'arrêtait pas à ce qui se passait aujourd'hui puis demain. Il savait pourquoi il était là, puis qu'est-ce que ça allait donner en bout de ligne. Puis, à quelque part, on a toujours pensé comme ça aussi. Parce que, je ne sais pas vous autres, OK? J'ai un pencheur, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais pour la procrastination, OK? Je suis comme... Il y a des journées, on dirait que je suis vraiment bon à ça. Tu sais, c'est comme si tu rappuchais comme le talent dans la Bible qui n'est pas écrit, ça aurait été la procrastination. Puis je pense que j'arrive comme des fois à être en top des listes, OK? Puis je dis pas ça pour me vanter, OK? Mais des fois, c'est super dur, okay? Tu sais, des fois, quand je finis un chiffre de nuit, puis là, je suis super fatigué, puis là, je devrais faire des affaires, puis c'est comme, ouais, mais pas juste dormir, mais je devrais faire quelque chose, comme, tu mettons, la vaisselle pour rendre Marie heureuse, pas qu'elle fasse, qu'elle arrive sur sa journée de travail. Et des fois, je le fais quand elle est là, pour qu'elle sente coupable, que moi, je suis fatigué, puis je suis vraiment. C'est pas vrai. Mais souvent, je dis, ça va être fait, mais t'arrives, puis elle ouvre la porte, puis je te dis, ah, la vaisselle, je suis pas bon pour ça. Mais à quelque part, c'est que j'oublie. De penser à ce que je fais aujourd'hui, ça a de la valeur pas juste pour aujourd'hui, puis pas juste pour demain, mais ça a quelque part, ça a une valeur ce qui va me suivre jusque dans l'éternité. Puis on a comme tendance à pas penser comme ça. Si on regarde notre vie passée, même peut-être même jeune, autant que les plus vieux, regardez hier, qu'est-ce que vous avez fait, puis vous faites comme, ouais, ça m'a-tu apporté quelque chose jusque dans l'éternité ce que j'ai fait hier, tu sais. Ben des fois, c'est pas toujours possible. Puis on ne mettait pas toujours sur Facebook. Puis il y a vraiment. Je dis qu'à l'heure, je peux passer tout de suite. Ouais, puis Marie, elle va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, mais si non, tu fais ça. On s'était dit, parce que, c'est un insight que je suis obligé de rappeler dans tout le monde, que c'est plus vraiment un insight. La première chose que moi, je me dis, que Jésus, mettons, il va nous poser comme question, mais qu'on arrive au ciel, c'est. Ben, pas Jésus, mais la question que moi, je me pose. Est-ce que je peux l'apporter au ciel avec moi? Ce que je construis, ce que je bâtis aujourd'hui, le temps que je passe, puis il y a un autre diapo, Marc-Antoine. C'est dans le fond, ça s'appelle la diapo, c'est juste que dans l'éternité, parce que Marie n'aimait pas ma tournure de phrase. Fait que j'ai dit, ben on l'écrira pas, mais je vais quand même la dire pareil. Est-ce que vous bâtissez, mettons, voir l'apportant à l'éternité? Et peu importe votre condition, peu importe ce que vous faites, là, que vous soyez Steven, puis que vous soyez dans un endroit où vous êtes avec des gens, puis vous êtes la journée longue, puis on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Des fois, c'est ça, Steven. T'sais, mais Steven, c'est comme... C'est pas toujours le fun pour lui. Mais en même temps, Steven dit, j'aimerais ça travailler. Puis tu parles avec quelqu'un qui travaille, puis il dit, ben moi, j'aimerais ça pas travailler. Puis, c'est comme on est tous dans le même. On voudrait toujours être comme l'autre. Mais en même temps, là, j'ai pointé Steven, je prends n'importe qui, tiens, Anthony, là, tu sais, qu'il travaille une job, puis... C'est la question, c'est quand tu passes tes journées, qu'est-ce que tu fais de tes journées, est-ce que tu peux apporter ça au ciel? Ouais, mais là, je travaille. Oui, mais à ton travail, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire qui va compter jusque dans le ciel? C'est vraiment sûr qu'on devrait se poser la question. C'est sûr qu'il faut avoir un travail, des études. Tant mieux si tu deviens premier ministre du Canada, là, je vais-tu plus en faire de toi, mais en plus, si je suis ton ami, je vais être vraiment fier de toi. Mais, à quelque part, mais que tu arrives au ciel, c'est pas ça que tu vas apporter avec toi. Je vais chanter une chanson, je vais pas dire. Et, merci madame. Quand j'avais comme 16 ans, on a fait un genre de combat. Ben, Didier était là, dans le fond, c'était un lip sync show, on avait joué de la musique. Puis j'ai fait un solo de bass, puis c'était cette tune-là, je l'ai fait. Ça représente tellement tout mon talent musical. Et puis, c'est vraiment ça, tu sais. Il faut pas oublier de se poser cette question-là. Autant que je tripe vraiment sur ma job présentement, c'est vraiment une belle job, je peux lire ma Bible, lire des livres, écouter des prédications, puis je suis super bien payé, j'ai des vacances. Mais encore là,
ça donne quoi en bout de ligne, ce job-là? Ça me donne rien, tu sais. Mais j'arrive au ciel, ça ne va rien me donner. Fait que c'est comme ma façon de penser, c'est mais qu'est-ce que je peux faire au travail qui va me rapporter quelque chose jusque dans le ciel? Puis on devrait tous penser comme ça. Si tu as une entreprise, tu as 150 employés avec toi, là, puis tu as des choses à diriger, puis c'est comme tu es vraiment la tête occupée. Mais tu devrais te poser la question, dans tout ça, qu'est-ce que ça va me rapporter au ciel? Qu'est-ce que je peux apporter au ciel? Puis ça mène à la deuxième question. Dans le fond, Jésus, lui, il va arriver, puis de quoi il va discuter avec nous, tu sais? Est-ce que Jésus, il va prendre le temps de t'en parler? Ou il va juste skipper ça, cette partie-là de ta vie, parce que ça ne rapporte rien, tu sais? Le verset qui dit, quand on va au ciel, Jésus va dire, bon et fidèle serviteur. Mais tant qu'à moi, c'est pas juste par rapport à moi, tu sais. C'est pas juste comme, hey, t'as toffé la run, félicitations, tu sais. Non, il dira pas ça. C'est comme, qu'est-ce que t'as fait mon nom? Mais c'est pas juste, genre, de dire, est-ce que t'as pas fait de péché, tu sais. C'est pas ce qu'il va dire. Qu'est-ce que t'as fait de mon nom? Puis on peut se poser cette même question-là, tu sais, à chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait du nom de Jésus aujourd'hui? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, puis que ça va me suivre jusque dans le ciel? Puis moi, je sais que c'est pas biblique, OK? Mais c'est pas biblique, je pense pas. Mais j'aime cette idée-là de me dire qu'un moment donné, là, mettons, après 150 000 ans qu'on va être au ciel, fait que finalement, comme une demi-seconde, Jésus va dire, OK, Pierre, je m'en vais te chercher. Jésus, ben, après, il dit, je m'en vais te chercher en limousine. Puis après ça, je t'apporte devant le trône. Puis on va comme, un peu comme un matin, Michel, on l'a comme un peu fêté. On va faire ça avec toi. Puis tous ceux que tu as impactés dans ta vie vont être là. Mais ma question, c'est, il va en avoir combien, tu sais? Est-ce qu'il va y avoir une personne? Est-ce qu'il va en avoir 10? Est-ce qu'il va en avoir 100? Il va-tu en avoir 1000? Est-ce que je vais avoir des collègues de travail qui, finalement, à un moment donné, je vais avoir perdu de vue, puis à un moment donné, à cause de sa manche, je vais avoir donné ils vont être au ciel, puis on va donner leur vie à Dieu? Mais si toutes mes pensées sont envers mes propres, que je veux bâtir pour moi, je ne verrai pas ce fruit-là, tu sais? À quelque part, tout ce que je vais avoir bâti sur la terre, Jésus ne pourra même pas m'en parler. Ça ne compte même pas à ses yeux, tu sais. Puis même si tu as un appel là, dans ta vie pour être, mettons, dans les finances, puis révolutionner le monde, la finance, Jésus ne t'en parlera même pas parce que c'est un don qu'il t'a donné, puis c'est juste normal que tu le fasses fructifier. Mais en bout de ligne, quand Jésus dit « qu'est-ce que tu as fait de mon nom? » Ça ne sera pas ça. C'est pas « est-ce que le don que je t'ai donné, ça l'a fait fructifier? » C'est quand tu étais dans l'appel que je t'ai donné, le pourquoi je t'ai créé, est-ce que tu as utilisé ça pour parler de moi, pour me refléter, tu sais? Puis, si on n'a pas cette pensée-là, quand je fais quelque chose aujourd'hui, est-ce que ça me rapporte quelque chose pour la semaine prochaine? Est-ce que ça me rapporte quelque chose pour l'année prochaine? Puis, est-ce que ça me rapporte quelque chose dans l'éternité? C'est pas cette pensée-là normale qui vient, on va rien bâtir pour l'éternité. Puis, ça va être super dommage. Tu sais, ça parle de couronne dans la Bible, ça parle de festin et tout ça, mais c'est comme, est-ce que je vais être celui qui va être du coin de la rue et qui va être mendiant au ciel? Je vais être au ciel, là. Mais est-ce que je vais être un mendiant tandis que les autres vont avoir des grosses maisons puis je ne sais pas comment ça va marcher au ciel, là. Je veux pas, mais c'est comme, s'il y a des belles voitures, ben, j'espère une belle voiture. Je sais pas, un cheval de course avec des ailes peut-être, mais je sais pas, ok, je ne serai pas, je ne connais pas ça, mais c'est comme, on va dire, Dieu, c'est comme, on sait tellement pas ce qui se passe au ciel. Là. Ça se peut qu'on soit surpris, tu sais. Puis, tu sais, une chose que Jésus va nous poser aussi comme question, parce que même si tu es dans l'église, là, okay, c'est comme, c'est ton appel, c'est tout. Ça donnera pas des points au ciel. Là. Je veux dire, tu n'arriveras pas, puis c'est comme ça, c'est d'arranger les pasteurs, les autres qui ont un passe-droit, puis ils sont faits automatiquement, là. Ça ne marchera pas comme ça. C'est comme Jésus va dire, OK, fine, tu as bien géré ton église, tu as fait des belles réunions, la musique était cool, les gens, ils ont aimé ça, ils ont du café, ils étaient bons. Mais la question, c'est, mais est-ce que tu les as aimés, ces gens-là? T'sais? Même si tu as passé des heures à faire du counseling, puis tu l'as fait juste parce que c'était ton devoir, puis tu n'as pas mis d'amour là-dedans, tu n'auras rien de plus au ciel. Mais, tu sais, dans le séculier, c'est la même chose. Il faut représenter Dieu là où ce qu'on est. Puis, je vous dis, là, des fois, il y a des gens qui sont comme pas faciles à aimer, tu sais. Puis, ben, bon, tu te motives, puis tu fais comme, OK, moi, je vais changer le monde, je vais changer mon milieu de travail. Puis, on dirait que quand ils parlent, c'est comme ça drop cette phrase-là, tu sais.
Ah oui, c'est. Puis tu sais, il y en a qui sont comme. Des fois vraiment plus que d'autres. Mais j'ai comme découvert ça présentement, qui est dernièrement. Mais c'est comme. Mon but, c'est. Je suis pas là pour. Comment je pourrais dire? Je suis pas là pour faire valoir mes droits. Je suis pas là pour essayer de gagner quelque chose. Je suis pas là pour essayer de montrer que j'ai plus de valeur que lui ou que moi je suis plus important que lui. Je suis là pour lui montrer que je l'aime. Puis, même si c'est comme. Je veux pas te nommer de nom, là, parce que j'avais un moment donné, il écoute la vidéo. Mais tu sais, même s'il est désagréable, même si cette personne-là est pas le fun à parler avec, c'est comme. Tu te rends compte que tu sais pourquoi ça fait 20 ans que personne ne me parle avec, tu sais. Mais c'est comme, tu dis non, mais. Moi, je suis différent, tu sais. Moi, mon but est différent. Moi, mon but, c'est pas d'être dans la compagnie puis de devenir directeur à un moment donné. Moi, mon but, puis même si ça pourrait arriver, là, ben mon but principal, c'est pas ça. Ma vision, c'est pas pour demain, puis c'est pas pour dans 20 ans. Ma vision, c'est pour dans l'éternité. Fait que mon but, c'est d'avoir de l'influence auprès de cette personne-là. Puis même quand je pourrais dire quelque chose puis faire comme casser, je le fais pas. Parce que ce que je veux, c'est démontrer de l'amour, démontrer de la patience. Puis que lui, à un moment donné, il me regarde, il fait comme, là, il va dire quelque chose, là, il va me ramasser, là. Puis je fais comme, ah ben, okay, cool, tu sais, lâche pas. C'est comme, t'as pas le choix, il faut vraiment penser autrement en tant qu'enfant de Dieu. Puis c'est ça qui va révolutionner le monde, c'est ça qui va changer la terre, c'est ça qui va changer vos milieux de travail, c'est ça qui va changer vos familles. C'est pas d'essayer de paraître plus fin qu'eux autres, mais, tu sais, ça, c'est comme la vie de couple, là, OK? Je veux dire, nous autres, nos enfants, des fois, ils font comme « Papa, maman, arrêtez de vous disputer! » Là, on discutait avec des bons arguments et un peu d'énergie, OK? Mais tu te rends compte que quand tu as une bonne discussion puis que l'autre n'a juste pas compris que tu as raison, là, je parle de Marie dit tout le temps ça, OK? Non, c'est pas vrai. Mais... ce qu'on se rend compte, je ne sais pas vous autres, okay, mais ce qu'on se rend compte, c'est que sur le coup, on ne veut pas donner raison à l'autre, même si, moi en tout cas, j'ai besoin de faire un cheminement dans ma tête. Là, passe pas un chemin, puis c'est comme plein de petites erreurs après, l'info arrive. Moi, je suis d'abord, je me souviens, parce que je ne savais pas donner raison. Puis, à un moment donné, tu fais comme, mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ma fin de journée qui est importante? Est-ce que je veux que mon couple soit en train, ou je veux que dans 50 ans, on soit en train, que le monde nous regarde, parce que comme, c'est le plus beau centaine, c'est pas, t'sais. Mais quand t'as cette perspective-là, c'est comme aujourd'hui, pas mal moins important d'avoir raison aujourd'hui que quand tu vas être mal, Charlie, tu sais, puis c'est comme on estimait, tu sais, non, je suis pas d'accord, ouais, mais pourquoi? Puis finalement, on s'est rendu compte que, oh, mais elle, genre, mettre en dessous d'un autre vêtement, puis moi, j'étais là, ben, tu sais, on s'est assigné pour rien, tu sais. Mais si on se serait pas arrêté, puis si mon point était plus important que le sien, on aurait peut-être continué pendant une journée, puis j'aurais peut-être dormi sous le divan, on ne sait pas. Mais si ce qui est important pour moi, c'est dans 50 ans avec ma vie, ben je vais penser autrement, tu sais. Puis ma victoire, sera pour moi, le but de gagner va être différent, tu sais. Ça va être comme, je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle, comme, qu'on arrête ça là, puis qu'elle fasse comme, OK, ça fait du bien, l'atmosphère est différente, tu sais. Mais parce que je veux qu'on vive heureux. Mais c'est la même chose avec Dieu, tu sais. On veut bâtir quelque chose qui dure. Tu sais, le verset dans la Bible qui dit, mais je ne l'ai pas mis là, parce que je n'étais pas sûr que j'en parlerai, mais Jean 15, 16 se dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, et du fruit. Et tu sais, c'est pas cette version-là que je vais utiliser, mais je sais que tout le monde utilise ça, tu sais. Parce que pour moi, l'abondance, c'est comme... T'as la paix, t'as la joie, t'as l'amour, tout va bien, tu sais, c'est comme du fruit en abondance. Mais la version du sommaire, c'est dit du fruit qui soit durable. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que tu bâtis pas quelque chose pour que dans une semaine, tu sois essoufflé, puis dans une semaine, tu penses autrement, mais tu bâtis quelque chose pour que dans ton milieu de travail, dans 20 ans, les gens font juste comme, ce gars-là, il a jamais changé, tu sais. Il était fin au début, puis c'était pas juste fake. C'était pas juste parce qu'il était nouveau dans l'entreprise, mais c'est vraiment parce qu'il est différent. Puis, ça peut être vraiment dans n'importe quoi. Tu sais, souvent, Michel, il dit, il va mettons quelque part, le magasin, il est tapis, puis il jase avec tout le monde. Tout le monde le connaît. Mais, même après 10 ans, c'est comme, il va être le même encore. Puis, c'est ça qui impacte les gens, tu sais. C'est pas de faire comme, hey, c'est une bonne journée, il m'a souri, puis il m'a parlé. Non, non, il est toujours comme ça. Puis, pas parce que ça tente tout le temps, tu sais.
Parce que tu te fais un devoir de dire, je suis différent, puis mon impact dans la vie des gens, ça ne sera pas juste pour aujourd'hui, mais je veux que mon impact dans la vie des gens, ça perdure jusque dans l'éternité. Je veux revoir ces sourires-là, demander, après ma mort au ciel. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut penser en tant qu'enfant de Dieu. Déjà là, si tu as compris c'est quoi ton identité, puis après ça, tu comprends pourquoi tu fais les choses. Puis ça va beaucoup aller mieux en tant que chrétien. Puis c'est vraiment ça que je voulais vous partager ce matin. Puis encore là, tu sais, je sais pas si j'ai eu la photo, Nick Vujicic. Je ne sais jamais de son nom, pour de vrai, j'aimerais dire. Est-ce que vous le connaissez? OK. Nick est né comme ça, OK? Pas de bras, pas de jambes, puis lui, il appelle avec son aile de poulet. C'est vraiment comme ça qu'il l'appelle, OK? Ce gars-là, il a une vie incroyable, là. Mais je crois que c'est à 11 ans, il voulait se suicider. Puis il est arrivé quelque chose, il a dit, tu sais, Dieu, j'en ai fini, je ne ferai rien de ma vie. En même temps, même ses parents étaient super encourageants. Ses parents disaient, tiens, on t'aime vraiment, tu vas faire de grandes choses. Puis à un moment donné, il a lu la Bible. Puis là, pour de vrai, OK, je ne m'en souviens pas du verset. Mais je pense que c'est Paul quand il est devenu aveugle. Moi, c'est une histoire qu'un aveugle. Puis si Dieu peut utiliser un aveugle, Dieu peut m'utiliser. Puis, ça a vraiment changé sa perspective. Puis aujourd'hui, ce gars-là, il se promène, je sais que je l'ai déjà dit, OK, mais il se promène dans les écoles. Il a visité 52 pays, il a parlé à 7 gouvernements, puis mettons le premier ministre de l'Inde, puis pourtant c'est un chrétien, là. Eux, c'est comme carrément pas des chrétiens. Mais à cause de son message, à cause des autres vont dire de son positivisme ou de son énergie positive, mais à quelque part, c'est Dieu c'est qui met ça dans sa vie. T'sais. Mais à cause que ce gars-là a choisi d'impacter le monde, a choisi de décider que sa vie ferait un changement dans la vie des autres, mais ce gars-là aujourd'hui, il est connu partout dans le monde. T'sais. Puis les gens le voient, puis souvent, son message aussi, c'est hey, les filles, vous êtes belles. T'sais. Parce que dans une société où les filles sont toujours comme. Porté à toujours vouloir être plus mince, toujours vouloir être, plus maquillé, plus ci, plus tendance pour se sentir belle. Puis lui, c'est comme, vous êtes belle comme vous êtes, Dieu vous a créé. Puis ça, c'est juste un des petits messages qu'il apporte, là. Mais ce gars-là a révolutionné le monde, tu sais. À cause que je choisis de le faire. Puis l'autre photo que j'ai, je voulais juste montrer deux exemples, c'est Kelly Clark. Kelly Clark, quand elle a commencé à faire du snowboard, elle n'était pas chrétienne du tout. Puis je crois qu'elle avait déjà gagné les premiers Olympiques pour plein de prix. Puis cette année, je ne me souviens pas si c'est par rapport aux Olympiques ou aux prix, mais elle va comme battre les records d'une athlète féminine dans tous les sports, comme celle qui a eu le plus de présence, quelque chose comme ça. Puis sa vie, même si c'est une championne, elle était vide d'essence, avait besoin de quelque chose. Puis à un moment donné, elle a entendu parler de Dieu, je pense quelqu'un qui parle au téléphone, une autre athlète, puis finalement elle dit que j'allais voir cette personne-là, il y a quelque chose dans sa vie que je veux. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Puis elle a donné sa vie à Dieu. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est comme. Elle fait des compétitions de snowboard. Elle va être encore aux Olympiques cette année. Mais c'est comme si tu pétais. C'est juste que Dieu qui joue dans ses écouteurs. Et souvent, elle se promène. Puis elle chante de la louange à Dieu devant tout le monde. Tu sais, c'est juste sur sa place, Jesus. Il y en a une autre, c'est genre, j'arrêterai jamais de le dire. Puis cette fille-là, elle décide d'impacter le monde. T'sais. Après, elle dit écoute. Je vends tout le monde, je vais essayer d'y aller, je vais essayer d'être super gentil, mais elle s'affiche. Puis même si peut-être ils vont peut-être la censurer, on ne sait jamais, mais jusqu'à temps que ça arrive, non, je veux que le monde connaisse Dieu. Parce qu'elle, elle dit, Dieu ne me demandera pas combien de médailles j'ai gagnées, Dieu ne me demandera pas tout ce que j'ai fait en tant qu'athlète, en tant qu'athlète dans snowboard, ça ne comptera même pas au ciel. Mais elle dit, j'ai un don. Je veux l'utiliser au max pour Dieu. Puis je veux que Dieu rentre au ciel et fasse comme wow! C'est comme il voit une banderole écrite Kelly Clark, bienvenue, parce que c'est comme il y a des gens, des millions de gens qui vont avoir vu ça, tu sais. Des millions de gens qui vont entendre son témoignage. Puis peut-être des milliers de gens qui vont être au ciel à cause d'elle. Puis c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Fait que. Juste arrêter, oui. Le gars d'avant, là, on a le livre à la bibliothèque. Ah! Il y a plein de prêches sur YouTube, son site web, il donne son témoignage, c'est super intéressant, je l'ai encore écouté, puis c'est comme, ce gars-là qui est incroyable, là. C'est comme, je ne suis plus dans le fond, ça, je sais comme, hein? Mais, tu sais, c'est pas d'aller vers vos rêves, là. Dieu vous a créé avec des dons, des talents différents.
Dieu ne veut pas qu'on soit tous mécaniciens, Dieu ne veut pas qu'on soit tous polyvinistes. Ça prend des gens dans tous les domaines, dans les sept montagnes d'influence. Vous devez impacter votre domaine dans lequel vous êtes. T'sais. Mais ce qui va compter, mais que tu sois rendu au ciel, ça ne sera pas. Tu avais-tu un bon chèque de paye? Puis, peut-être que vous dites, ouais, mais à cause de l'argent que j'ai ramassé de mon travail, j'ai créé une fondation, on a bâti une église. Mais si tu le fais juste parce que c'est un don, puis tu ne l'as pas fait avec amour, ça ne comptera même pas. C'est ça le pire. T'sais. C'est quasiment pas décourageant, mais tu dis, tu sais, mon cœur, il faut vraiment qu'il soit comme imprégné par l'amour de Dieu pour vraiment que ça compte au ciel. Mais si ton cœur est imprégné par l'amour de Dieu, tu vas faire les choses différemment. Tu vas voir la vie différemment. Tu vas vouloir faire quelque chose, puis ce qui va être important, ça va être l'individu à travers ce que tu vas faire, et non ce que tu vas faire, tu sais. Puis, c'est vraiment ça ce matin. Pourtant, Gaétan Gaucher, il disait que c'est un monsieur que j'ai connu en Saint-Hyacinthe, qui est devenu missionnaire en Afrique, qui a bâti 500 églises, mettons, tu sais, je sais pas. Puis il disait, je faisais ça parce que j'avais besoin de faire quelque chose pour Dieu, tu sais. Puis à un moment donné, Dieu m'a arrêté et me dit, fais juste m'aimer. Puis, pas que c'est pas important de bâtir des églises, mais il faisait pas pour les bonnes raisons. Puis pour Dieu, ça comptait pas. Peut-être 1000 personnes qui ont donné leur vie à cause, mais pour Dieu, ça comptait pas parce qu'il n'aimait pas Dieu. C'est comme sa vie, c'était plus de l'amour envers le travail pour Dieu. Puis on doit vivre pour Dieu, on doit vivre en relation avec Dieu. Puis, c'est vraiment ça le matin, OK? C'est essayer de penser, est-ce que ça va nous apporter quelque chose aujourd'hui, demain? Puis jusque dans l'éternité. Puis votre vie va être juste différente. Puis je voulais vraiment arrêter plus bonheur pour qu'on puisse juste faire un appel. Tu sais, si peut-être vous dites, ben écoute, je pense tellement plus de même aujourd'hui, c'est comme ça fait 20 ans que je suis à l'église, on dirait que mon cerveau s'est conditionné à juste faire des choses pour Dieu, mais avancez-vous un matin, tu sais, je sais pas si les anciens Michel, Manon, vu que c'est affaire, peut-être une sur-bénédiction, tu sais, mais on va prier pour vous autres. Puis si jamais vous avez quelque chose en particulier, vous l'avez compris, dites-le, je n'écoute pas. Mais si c'est ce que vous voulez, ce que vous faites aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité, mais avancez-vous. Puis, faites juste ça. Soyez bénis, puis j'espère que ça vous a parlé ce matin. Merci Pierre. Et juste une petite page d'équipe de 2 minutes, ça m'est venu quand je suis. Dans le fond, ce que le Saint-Esprit dit un matin, on peut faire une performance pour une durée limitée et éphémère dans ce monde, mais plutôt Dieu ce qu'il veut, c'est une persévérance pour une destinée illimitée et éternelle. Ça dans ces 2 petites phrases-là. Oui, on a des tendances à performer, on veut performer, mais c'est une durée limitée et éphémère quelquefois, parce qu'on performe selon nos capacités ou notre chair. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est persévérer dans sa destinée, parce que ça, c'est illimité et c'est éternel. Puis, veut pas, on est influencé. Je pensais, il y avait un film qui s'est fait il y a des années, tu sais, Idole instantanée. Souvenez de ce vieux, ça fait longtemps, 20 ans d'années, de l'instantané. Mais même avec nos émissions, tu sais, The Voice. Tout le monde regarde ça, tu sais, The Voice. Puis la voix ici, puis bon, c'est correct, j'ai rien contre ça. Mais encore là, c'est des performances pour une durée limitée. Et même, c'est des performances qui déçoivent la majorité des gens. Tandis que lorsqu'on marche dans les voies de Dieu, et lorsqu'on sait qu'on marche dans sa volonté, Dieu nous fait juste dire, oui, fais juste m'aimer, puis moi je vais t'aimer, on va s'échanger dans cet amour, mais persévère pour une destinée limitée éternelle. Persévère. Tu sais, j'ai 60 ans dans 4 jours. 4, toi. Toi, tu vois, je vieillis. 3, 4. Puis avec tous les témoignages, je sais que... Je me sens tout le temps mal à l'aise quand je suis pointé. Puis des fois, c'est comme bizarre parce que les gens pensent que, des fois, parce que je suis extravagant, que je vais attirer l'attention. Mais c'est pas ma nature d'attirer l'attention. Ma nature, c'est d'être dans ma nature. Mais quand je suis visé par
la bonté ou des remerciements. C'est comme... C'est pas moi, ça. J'aime pas ça, mais c'est correct, je le prends parce qu'on en a besoin comme être humain. Mais, tu sais, arrivé à 60 ans, là, si tu dis... Oui, c'est vieux. Mais c'est la question. C'est la question que Pierre a soulevée. C'est qu'est-ce qui reste? Et souvent, j'ai entendu ça des centaines de fois dans des prédications par des prédicateurs, tu sais. Si tu as une vision, puis qu'à un moment donné, tu marches, tu te retournes de bord, puis il n'y a personne, t'es juste en train de prendre une marche. Mais si tu as une vision, tu marches, puis tu regardes en arrière, il y a des gens qui te suivent, tu as réussi ta vision. Mais ça, c'est facile à dire parce que le ministère, en tout cas en ce qui me concerne, la volonté de Dieu, je sais que j'ai tout le temps été fidèle dans sa volonté. Oui, avec peut-être des difficultés quelquefois d'obéissance, mais Dieu a tout le temps été bon pour corriger, ramener. Mais le ministère, c'est l'endroit, puis si vous avez lu là-dessus, si vous suivez les blogs de certains ministères qui sont encore dans le ministère, c'est l'endroit le plus seul au monde, à beaucoup de fois. Et cette phrase-là, des fois, revient, tu sais, si tu te sens seul, t'as personne autour de toi, et là, t'entends les phrases des dizaines de centaines de fois qui ont été dites, ben, tu vois, t'es en échec, t'as personne. Mais la solitude, c'est ça, je cherchais le mot. Le ministère, c'est l'endroit où il y a le plus de solitude. Parce qu'une journée, les gens t'aiment, c'est parce que tu es obéissant vers Dieu, tu es obligé de prendre des positions, et le lendemain, les gens ne t'aiment plus. Et c'est vraiment tout le temps entre les deux pôles que ça se joue. Mais si je suis persévérant, donc, et je pense que c'est que j'ai été, dans la destinée que Dieu a choisie pour moi, mais je sais que c'est illimité. Et de toute façon, les récompenses sont éphémères, mais ma récompense céleste, elle est éternelle. Alors, c'est sûr que quand Dieu va être bon et fidèle serviteur, ça ne sera pas à cause de qu'est-ce que j'ai fait. Ça va être à cause de ce que j'ai été. Je n'ai pas cherché la gloire, pas cherché les honneurs, j'ai juste cherché à aimer Dieu. Chercher à aimer Dieu, c'est là que Dieu fais entendre sa voix et dis « OK, c'est juste ça que je veux. Maintenant, je vais te conduire. » Alors, comme Pierre a dit, si vous voulez marcher dans sa volonté, avoir une destinée éternelle, illimitée, ne pas vous faire une feuille avec tout ce que vous voulez, puis Dieu signe la feuille, mais plutôt dire « Voici ma feuille blanche, Seigneur. Je la signe, puis toi, tu écris dessus. » Puis ça ne veut pas dire que Dieu va écrire demain. Dieu, tranquillement, jour après jour, va écrire des petits bouts de sa volonté. Et tu vas te revirer de bord, après tant d'années, tu vas dire, ben merci pour les témoignages qui ont été donnés. Puis, c'est pas juste la maison ici que tu as entendu. Un autre te loue, non pas ta bouche. Puis, merci Seigneur. Alors, maintenant, on va prier dans ce sens-là. Non pas à chercher à performer, parce que ça, c'est limité, c'est éphémère, et ça donne pas grand-chose. Mais si vous voulez continuer à persévérer, vers une destinée illimitée et éternelle. Alors, prenons le temps, venons en avant, on va juste prier ensemble. On va terminer comme ça. Et juste de demander à Dieu de la persévérance. Et demandez-le, dis, Seigneur, je vais persévérer. Je vais être attentif. Je ne vise pas les hauts sommets, à moins que toi, tu m'y emmènes. Dites-le, Seigneur, je ne vise pas les hauts sommets, à moins que toi, tu m'y emmènes. Et si tu me le montres et que je crois que c'est trop élevé, et je sais que tu vas toi-même me tenir par la main, tu vas m'emmener là où est ma destinée. Seigneur,